Yes, papa. Bon, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Je suis amoureux de la Suisse. Je suis tombé amoureux de la Suisse. Regardez-moi ces paysages. Ils sont sérieux, les mecs? Et ces routes. Les routes, tu peux manger par terre. Route super bêta. Cette air frais, là, cette air pure. En plus, la Lamborghini a été... Je l'ai rodée hier. On a dépassé les 2500 tours, enfin. 2500 tours, je l'ai récupéré en mars et donc du coup j'ai enfin fait mes 2500 km et plus, donc à l'éroder. Et regardez-moi ces routes, vous êtes sérieux? Merci les Suisses, merci les Suisses, je vous kiffe, je vous kiffe. Waouh. Donc l'idée c'est vraiment, il y a du vent hein. L'idée, c'est vraiment de vivre des aventures. Moi, je vois mon fils qui a 3 ans et demi, le plus grand, mon deuxième a que 7 mois, donc il est encore trop petit. Mais voilà, quand on est des enfants, on veut tout le temps jouer, vivre des aventures. Et quand on est grand, on arrête. Salut Laurent. Quand on est grand, on arrête de vivre des aventures parce qu'on va se préoccuper de ce que les autres vont penser de nous ou autres. Voilà, c'est pas bien, je suis un grand, je suis une grande maintenant. On doit être sérieux, on doit pas s'amuser. Fini. La rat race. Non, il faut continuer à vivre des aventures, les amis. En fonction de ce que vous aimez. Pour moi, pourquoi j'aime les supercars et les voitures de sport, c'est parce que justement, ça me permet de faire des road trips et de découvrir des zones que je ne connais pas et d'aller les découvrir avec ces voitures-là. Et les gens, quand on a des voitures comme ça, eh bien, ils viennent vous parler. Donc, on fait des rencontres. Tout à l'heure, il y a une petite mamie qui est venue me parler. On était à Montreux. On a fait le festival de jazz hier soir. J'aurais jamais été au festival de jazz si j'avais pas été en road trip en Suisse avec la voiture. Donc c'est ça, vivre des aventures. On a rencontré des gens, une petite mamie qui était bien sympathique, qui me posait des questions sur la voiture. Et c'est ça, vivre des aventures grâce à ce que vous aimez. Hey, salut Christelle. Christelle, regarde. Christelle, je sais qu'il fait de la course de côte. Regarde, la voiture a été rodée hier, 2500 km. Regarde les routes que j'ai. Est-ce que tu penses que je vais m'amuser? Donc voilà, vous devez continuer à vivre des aventures en fonction de découvrir du paysage, découvrir des gens. Salut Nathalie. Voilà, c'est ça en fait. Ce qu'on veut, c'est voyager. Voyager et s'expatrier éventuellement. Mais voyager, rencontrer d'autres personnes, d'autres paysages, sortir un peu de sa zone de confort. Et quand on fait ça, bon, on se rend compte de la chance qu'on a en fait quand on habite dans des pays comme nous, on habite. Si vous regardez ce Facebook Live, c'est que alors vous avez de la chance de vivre là où vous êtes. Mais ça, on a tendance à l'oublier. C'est pas une phase de gratitude, de machin, wouhou. Non, non, mais juste revenir à la base. Il faut voir du pays, voyager, découvrir d'autres choses. Et c'est ça qui est cool. Vivre des aventures. Rejuvenation. Se ressourcer. Boum! Je voulais juste faire un petit live pour vous, on est quel jour là? Mercredi. Et c'est ça qu'on appelle le vieux continent? Ils sont sérieux les Quinri? Ça c'est le vieux continent? En attendant, tous les Américains ils achètent que des Ferrari et des Lamborghini. Hein. C'est le vieux continent qui fournit tout ça, entre autres. Le vieux continent est toujours là les amis. On n'est pas mort. Loin de là. Faites un like pour le vieux continent. L'Europe. Damn! Wow. Faites un like pour la Suisse. Ouais. On va lancer le drone là. Il y a Ludo et Franck qui sont partis déjà en haut, ils sont en train de sortir le drone. Ça va être cool. Ah, encore 10 minutes. Vive l'Europe, Nathalie. Waouh!
Là, tu te rends compte, t'as pas mis le frein à main et la voiture, elle part. Et tu pleures. Heureusement, j'ai mis le frein à main. Faites un like pour les bourdons. Si vous faites pas un like pour les bourdons, sérieux, vous aimez pas la nature, c'est pas bien. Vous allez aller en enfer. Faites un like pour les bourdons, les amis. Les gars, on est 138 connectés, je vais voir 138 likes. Salut Jennifer, j'espère que ça va bien. Et qu'il fait beau à Maurice. Yes, merci à tous ceux qui aiment la nature et qui font des likes pour les bourdons. Philosophe ou machin, mais on a trop tendance à trop aller vite tout le temps. Moi, le premier, je travaille trop, je travaille beaucoup. Et je développe beaucoup de choses parce que j'aime ça, mais je prends jamais le pas assez de temps. Je prends pas, ça sent tellement bon. Je ne prends pas assez de temps pour ralentir et juste observer. Et je pense que vous aussi, si c'est le cas, je pense que c'est le cas. Si vous êtes entrepreneur ou investisseur comme moi, on prend rarement le temps pour nous et en tout cas pour ralentir, juste regarder des bourdons en train de butiner et sale délire. Papy. Papillon, il va vite, hein. J'ai même pas réussi à l'attraper. Le papillon, c'est comme l'indépendance financière. C'est joli à regarder, mais c'est dur à attraper. Si tu veux l'attraper, il faut des techniques, des tactiques, être malin, être patient, être bien équipé, avoir des outils. Si tu as une épuisette, c'est bien plus facile, une épuisette particulière, c'est bien plus facile d'attraper un papillon. En vie, tu veux avoir un papillon en vie. Bah, c'est comme l'indépendance financière. L'indépendance financière, tout le monde trouve ça joli, mais il n'y a pas grand monde qui arrive à l'attraper. C'est simplement parce que les gens... ils veulent pas mettre ce qu'il y a à mettre. Les efforts ou autre. Putain, les mecs, je dois attendre encore 5 minutes. C'est long. Parce qu'il y a Ludo et Franck qui sont montés là-haut, sortir le drone. Mais en même temps, on se dégourdit un petit peu les lombaires parce que la voiture est pas confortable du tout. Mais quand on est sur des routes comme ça, on oublie la douleur. Nathalie, les papillons de nuit, c'est moche. C'est vrai. Les papillons de nuit, c'est les haters. Il y en a, toi, mais ils sont moches. Ils sont jaloux parce que ceux de jour, justement, ils sont tellement beaux. Tellement gracieux. Les mecs, c'est des larves. On leur a vendu, ouais, tu vas te transformer en papillon. Et en fait, ils se transforment en papillon, mais ils sont moches. Donc, ils sont blasés, toi. Ça c'est bon ça, faites un like. Bonjour monsieur. Salut Anne, j'espère que tu vas bien. Allez, j'ai hâte. Je dois attendre encore 6 minutes et je peux monter. Salut Kiero, 6 minutes et je peux monter. Toms, merci, grâce à toi, j'ai fait 60 000 euros. Toms, c'est surtout grâce à toi, je pense. Peut-être juste insuffler 2-3 stratégies ou motivations, mais c'est surtout grâce à toi. Il faut se sortir les doigts et passer à l'action. Tu peux avoir tous les livres que tu veux, mais s'ils sont sur la bibliothèque, posés, et qu'ils ne sont pas lus et surtout qu'ils ne sont pas appliqués, eh bien, ça servira à rien. En tout cas, félicitations. West, je suis en Suisse. Virginie, je suis en Suisse. Je pense qu'au Québec aussi, Virginie, il doit y avoir des paysages pas mal. Hein. Yes, donc je suis en Suisse, dans les Alpes suisses. On était à Montreux tout à l'heure, super Montreux. J'ai kiffé. On était au festival de jazz. Hey, faites un like pour la police. Elles ont des voitures hype, hein. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille mollo quand je monte.
parce que là-bas c'est une impasse. Et donc ils sont partis par là-bas. Donc voilà, voilà. Mais de toute façon, il faut toujours respecter les limites de vitesse. Yes, donc je suis dans les Alpes suisses, on est pas loin de Montreux. On va se faire un petit col, puis un deuxième. Wintish, je retourne pas à Maurice. Moi, je vis à Maurice, hein. Wintish, donc j'y retourne en août. Là, je fais un petit road trip voyage en Europe. C'est long! Ils sont sérieux? Yes, papa, David qui dit Cédric, deuxième bien immobilier signé hier soir à Cergy. Du chemin depuis IMO étape 2015. Yes, papa, félicitations, David. C'est ça, il faut. Ah, je crois qu'ils ont essayé de me dire un truc. Ouais, micro test 1-2. Le truc là. C'est bon, je peux monter? De faire en sorte qu'il n'y ait personne devant toi. Yes. Je peux monter déjà? Yes, copy that, roger that, affirmative, bien compris, bien reçu. Si vous avez joué à Counter-Strike, vous savez ce que c'est trop cool. Ah, c'est bas. Je suis vieux pour ces conneries. Hein. Ça bip simplement parce que les feux sont... Oui, 2610 km. Bon les amis, demain en tout cas, j'ouvre les inscriptions à Startup Internet 2018. Donc c'est un programme sur le pilier immobilier. Yes Virginie, un appartement acheté à Québec, félicitations. Virginie, je peux te mettre en contact avec un bon copain que j'ai au Québec. Je sais pas dans quel coin tu es, il est à Montréal. Il est à fond sur l'immobilier à Montréal, secteur Montréal, enfin Québec. Aussi Trois-Rivières, tout ça. Donc voilà, demain j'ouvre les inscriptions à ce programme qui ouvre une fois par an et ça démarre demain et ça va pas rester ouvert très longtemps parce que tout le monde commence en même temps. C'est un programme sur le pilier internet où vous allez voir les stratégies, les tactiques, les meilleures méthodes pour lancer un business sur internet. Yes, Seed, pilier internet, sans avoir à mettre voilà, 200 000 euros d'apport avec la banque. Donc voilà, simplement ça demande du travail, de l'huile de coude. Il ne s'agit pas de devenir membre du programme et de rien faire. Il va falloir bosser. Il y aura également un séminaire. Là-dedans, plein de modules, des webconfs, des bonus, notamment demain, un bonus de ouf, juste demain pour les plus motivés. Donc, si vous êtes intéressé, il fait chaud en Suisse, par startup, surveillez bien votre boîte email demain. Et si vous ne recevez pas de mail demain, eh bien, envoyez-nous vite un message parce que c'est pas normal. Donc, voilà, que ce soit de l'e-commerce ou du produit d'information, dropshipping ou du stock ou pour l'information, c'est un programme qu'il vous faut et surtout qui n'est pas au même tarif que la plupart des autres programmes que l'on peut voir. Voilà, voilà. Qui sera beaucoup moins cher. Yes, les motards vont dans le col, les gars. Ok, les gars, j'arrive. Ah oui, en fait, on est en train de filmer parce qu'on fait une vidéo pour ma chaîne sur les voitures MC, pour tous les passionnés de voitures. Donc voilà, on est là pour partager les bonbons et les aventures en voiture, justement. Merci à vous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Encore une fois, pensez demain. Si vous êtes intéressé par le pilier internet, maintenant, voilà, c'est un petit peu l'heure de m'amuser. Et voilà, pensez à vous amuser et à vivre des aventures. Bisous à tout le monde. Ciao. Ouais, Adam. Merci pour le rappel.